Pendant que vous êtes chez vous, Châteaubriant a décidé de vous ouvrir ses portes et de vous révéler ses activités du moment. Le printemps est une période charnière où nous avons pas moins de 3 millésimes sur le feu. Nous avons d'abord le 2020 qui est en train de naître à l'extérieur dans nos vignes. À l'intérieur, nous procédons au premier soutirage du millésime 2019 prometteur. Et enfin, nous soutirons pour la dernière fois le millésime 2018 avant sa mise en bouteille. Nous sommes actuellement en train de rendre visite pour la dernière fois à nos barriques de 2018 sous la forme d'un soutirage afin d'éliminer les dépôts qui s'y sont faits ces derniers mois. Nous allons pratiquer, une fois que les vins sont en cuve, un assemblage afin de marier les bois, les barriques étant différentes toutes les unes des autres. Les mises en bouteille, une fois effectuées, les vins seront stockés pendant plusieurs semaines avant d'être conditionnés pour expédition à nos différents clients. Le millésime 2020 se présente comme étant très précoce. La vigne a commencé à débourrer le 17 février. Actuellement, nous sommes en train de décavaillonner, c'est-à-dire d'enlever la butte de terre que nous avions constituée à l'automne au pied des ceps de vigne. Et on vient de commencer les pampages, c'est-à-dire la sélection des rameaux que nous voulons garder. Et bien entendu, nous enlevons tout ce que l'on estime indésirable, qu'on appelle aussi pampre ou gourmand. Le millésime 2019 est descendu en barrique depuis le mois de janvier, en début d'année. À ce jour, nous terminons le premier soutirage du Haut-Brionnais. Le soutirage est une étape essentielle dans l'élevage du vin. Il permet, tout simplement, de clarifier le vin, c'est-à-dire de séparer les lies qui ont sédimenté au fond des barriques de la partie plus claire qu'est le vin. Le millésime 2019 sera soutiré 6 fois, jusqu'à sa mise en bouteille. Comme vous l'avez constaté, nous apportons un soin particulier à l'élaboration de nos vins. Parmi ceux-ci, le millésime 2019, prometteur et dont les équipes sont si fières lors de ce premier soutirage réalisé dans nos chais. Cette fierté est certainement un signe de la naissance d'un grand millésime.